Là, j'ai vraiment peur. Il n'y avait pas ça tout à l'heure. Là, c'est terminé. Imaginez qu'une personne n'ait jamais joué à un jeu vidéo d'horreur et que là, elle y joue pour la première fois et qu'elle choisisse l'un des jeux les plus creepy, difficiles et apparemment flippants du monde. Voilà, c'est Lucas Brasier. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. La description que je viens de vous faire, c'est la mienne. J'ai jamais fait un jeu d'horreur. Le pire que j'ai fait, c'est Until Dawn. Donc, pour vous dire, ok, ça fait un petit peu peur, mais c'est plus un jeu narratif avec des choix. Il y a une petite caméra derrière, comme ça, on pourra voir les réactions. Vous pourrez voir un petit peu le setup également. Donc, on est parti, tout simplement. On a lancé Visage. C'est un pote qui me l'a recommandé. Merci François pour la recommandation. On est là pour essayer de faire le jeu à fond. J'ai même une montre sur moi qui permet de voir les BPM en temps réel, donc ce qui vous permettra de savoir quand il y aura des grosses actions, à combien je suis monté. Et mon but, ça va être de rester le plus stable possible, c'est-à-dire que là, actuellement, on est à 84, 87. Ça s'accélère parce qu'avant, j'étais à 70, 75. La vidéo a même pas commencé. C'est le début, je me fais peur moi-même. Avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et toujours pour faire le croyant vous et oser, bah voilà, là, on essaye de dépasser ses limites sur un jeu d'horreur pour la première fois, avec l'un des pires. Je suis à 58 BPM. Voilà, mon cœur va s'arrêter. Bye bye. Bon, de toute façon, là, rien de flippant, hein, c'est le tuto. Oh, l'horloge du chat. Ça, soyez sûr qu'à un moment, il y aura un truc flippant dessus. Bon, bah là, on est somme toute dans une entrée des plus classiques. Et là, vous le voyez, le truc foncer tout droit, là. Vous dire, vous êtes en train de marcher, et là, il y a un truc qui arrive de face. La santé mentale de votre personnage affecte le gameplay. En note, rester longtemps dans le noir diminuera la santé mentale de votre personnage. Ah, ok, je peux allumer des bougies. Le problème, c'est que là, j'ai rien pour allumer des bougies. Et voilà. Événements paranormaux se produisent de manière aléatoire tout au long du jeu. Évitez de rester trop longtemps dans l'obscurité. Bah là ça va, je suis à la lumière. Votre attention s'il vous plaît. Les objets entourés en rouge sont d'une importance capitale pour la suite de l'aventure. Cependant, en tant que pire agent sur le terrain, Lucas va mettre plus de 30 minutes à les trouver. Et encore, ce n'est que le début. Agent Brasier, non diplômé. Today the weather is going to be absolutely celestial. The temperature won't drop below 77 degrees and it's going to be one hell of a sunny day. Putain, rallume-toi. Merci. OK, on monte à l'étage, tout se passe bien, tout va pour le mieux. La porte est ouverte, c'est pas flippant. Oh, les salles de bain. Et j'ai même pas envie de rentrer parce que je suis sûr qu'à droite il y a un truc. Ah, lui, il a fait les stocks pour le confinement. Oh, la salle de bain avec le rideau, jamais je passe là. Il va falloir. Écoutez-moi bien. Jamais de la vie j'interagis avec ce rideau. Bon allez. Voyons vous oser, c'est Lucas Brasier. Oh. Quoi? Ah, on se téléporte. Mais je suis où là? Ok, pourquoi j'ai la taille d'un enfant là? Je change de taille et je change d'endroit. Ok, bon. Je suis la seule personne qui joue à un jeu d'horreur et qui se fait bloquer dans le tuto. C'est fou ça. Ah mais je suis accroupi depuis tout à l'heure, c'est pour ça que je fais la taille d'un enfant. Agent Brasier, non diplômé. RT pour prendre, bah voilà, on tire la porte et... On va pas speedrun le jeu nous? Oh pas. Je crois que là on est très mauvais pour le moment. En vrai il y a beaucoup de lumière, donc la santé mentale ça devrait aller. Là je vois bien un truc s'ouvrir, c'est-à-dire... Ok, j'ai allumé la télé jusqu'ici, rien de grave. Oh, la clé du sous-sol ça. Il existe deux types, les objets dynamiques et les objets clés. Clé étiquetée sous-sol. Eh bien on la prend. Je sais où elle va celle-là. Là, je vous dis, je suis pas bien. Là, cette ampoule, elle va éclater. C'est sûr. Ça peut pas bien se passer là, c'est sûr. Oh, il fait beaucoup trop noir. Toi, allez. Je le fais passer devant. Tu vois un truc? Non, mais non. Je peux pas faire ça. Hop, j'ai eu trop peur. Allez, pas que je fasse du bruit. Allez, on se ressaisit. Rien à faire, je fonce. Rien à faire. J'ai pas peur. J'avance. Je trace. J'ai pas peur. J'ai pas peur, je vois rien. J'ai peur. Putain, je suis en train de... Oh, mais y'a rien, je vois rien, y'a rien. Agent Brasier, non diplômé. Clé du sous-sol. Mais je l'ai. Bon bah voilà. Agent Brasier, non diplômé. Ah, je suis revenu à mon point de départ. De toute façon, il n'y a pas de screamer dans ce jeu, non? Ce jeu, tranquille. Tu m'entends? Tranquille le jeu. Ouais, je regarde pas où j'avance. Allez, bon là, il n'y a rien. De toute façon, trop facile. Oh non, ma santé mentale est en train de se dégrader. Arrête. Chut. Attendez. Voilà. C'est de demander.
Oh là là! Déjà, ça, juste ici dans l'entrée, pas d'éclairage. Vous voulez faire atteinte à ma santé mentale? Mais là, c'est trop glauque. Moi, je veux pas aller dans les souterrains comme ça. Moi, de base, je suis là pour faire des vidéos bonne ambiance, on s'amuse, on rigole. Pas des vidéos où je suis censé me faire attaquer de tous les côtés. Oh, la salle d'opératoire. Ça, c'est bâche, ça sent vraiment l'opération. C'est ultra creepy comme endroit, quand même. Ah bah voilà! Un peu de lumière. Oh non, ma santé mentale. Vous arrêtez! Là, je suis à la lumière, tout se passe bien. Hein, cerveau? Vas-y. Attendez, je vais rester là parce que mon cerveau... Vous le voyez juste en bas à gauche, là, sous la caméra. Mais mon cerveau s'est allumé. Donc s'il s'allume, ça veut dire qu'il va pas bien. C'est bizarre, j'entends vraiment des bruits en décalé, donc j'ai l'impression que parfois, il y a des gens derrière moi. Eh! Ces bruits de porte, je connais. Quand ça commence comme ça, il n'y a rien dans l'armoire. Et après, tu te retournes. Bam, screamer. Pas moyen de l'ouvrir. Dommage. Par contre, là, il faut que je vous confie un truc. Je me sens de moins en moins bien parce que mon cerveau continue d'aller de moins en moins bien alors que je suis à la lumière. Donc, ça veut dire qu'il y a des degrés d'excitation qui sont en train d'évoluer dans ma tête. Et là, j'entends de la musique. Oh non! La lumière, elle a claqué. Où c'est qu'on la rallume? C'était drôle au début, hein? Non. Maintenant, ça... Oh, la porte qui se referme derrière moi. Les amis, je crois que c'est l'heure de mourir pour la première fois sur ce jeu. Vous voyez, ça me donne vraiment l'impression qu'en fait, je perds du terrain de jeu et qu'après, je vais me retrouver isolé dans une pièce qui va s'éteindre et que je vais mourir. Je veux bien repartir dans cette pièce si vous le désirez. Mais encore faudrait-il me donner soit une bougie, soit le mode d'emploi pour l'allumer. Et je repars dans le noir, j'ai pas peur. Rien à faire, j'ai pas peur. Je n'ai pas peur. La peur, c'est dans la tête. La peur, c'est dans la tête. Bah voilà! Je pense que je me fais pas assez confiance. Oh, trop que le jeu il va me faire peur alors que pas du tout, il est friendly. Ah, il y a une clé! Ça fait combien de fois que je passe devant? Oh non, je suis trop nul! Depuis le début, il y a une clé. Prendre l'objet qui lance. Cet objet lancera un chapitre. D'accord! Chapitre de Dolores, un rêve retors. Donc ça veut dire depuis tout à l'heure, je suis enfermé dans le tuto et j'ai pas réussi à m'en sortir. Ok, donc. La clé pour le petit miroir brisé, faut juste que je trouve la porte. Pour vous dire, ça fait une demi-heure que j'ai lancé le tournage et j'ai à peine de trouver une des clés qui va me permettre de faire quelque chose. Le truc, c'est que Dolores, je sais plus du tout où il est son chapitre. Donc on va essayer toutes les portes. Et l'armoire. J'y vois rien. Ça y est, je vais mourir. Ah, porte miroir de Dolores, c'est sûr, c'est celle-là. Ok. Donc là, on arrive dans le premier chapitre. Non. On va la voir dans le miroir. Pourquoi la porte, elle est fermée? Sauvegarde en cours? Le miroir, il a disparu. Oh! Pas bien, là! Le miroir, il a disparu. Le stress, c'est qu'en fait, quand on se retourne, le jeu peut avoir changé. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des choses que tu as vues la première fois qui sont plus du tout la deuxième. Et des choses qui n'y étaient pas, je suis sûr qu'ils peuvent apparaître. En fait, je ne comprends pas où je dois aller. Je sais que c'est un jeu d'énigmes, donc il faut que je trouve par moi-même. Mais je comprends pas où je dois aller. Est-ce que toi, tu as un indice à me donner? Allô? J'ai besoin d'un indice. Je suis bloqué. Allez. Pas cool. Salle de progression. Cette salle contient les objets représentant votre progression dans le jeu. Ces objets sont collectés de différentes façons, dont à la fin du chapitre. Une fois récupérés, ils apparaissent automatiquement dans la salle de progression. Du coup, moi, j'ai fait aucun truc, donc j'ai aucun objet. Bon, de toute façon, ce jeu, on a compris, il fait pas peur. C'est juste une ambiance stressante, mais il n'y a rien de fou. Il n'y avait pas ça tout à l'heure. Là, je me sens vraiment pas bien. Il n'y avait pas ça tout à l'heure. Eh oh! Oh sa mère. Je crois que les amis ont bien...
crois que là on vient de rentrer enfin dans le jeu. On passe par là. Là, il y a le drap enlevé. J'ai pas peur. Oh non, il y a quelqu'un qui habite dans le plafond. Des colocataires. Et ils payent même pas le loyer. Oh là là. Ah, petite lumière. Il semble montrer une pièce dans la maison. Logiquement, déjà, c'est une pièce qui doit être un peu loin d'ici. Elle va pas être juste à coller, donc ça sert à rien de fouiller des pièces vraiment collées. Là, je commence un peu à avoir l'idée de la map de la maison en tête. Donc je pense que c'est rez-de-chaussée. Vu qu'on voyait une fenêtre, ça doit être quelque chose. Monsieur, vous êtes trompé de maison? Oh, sa mère! Toi? Je ne te connais pas. Vous pouvez rallumer la lumière? Est-ce que vous pouvez rallumer la lumière? Allez, t'es pas drôle. J'ai peur d'appuyer et qu'il mette sa main aussi. Quoi, ça marche plus? Ah, ma santé mentale est en train de baisser, faut que je run. Regarde pas bien sûr dans le sens où il est parti. Je sais pas s'il faut que j'aille le confronter. En fait, j'ai très peur qu'il fasse un sprint tout droit. Tu veux que je vienne? Ouh. Est-ce qu'il essaye de me dire l'endroit où c'est? Ou est-ce que c'est un endroit où je ne dois pas aller? Écoute-moi bien. Je vais voir là-bas. T'es pas là-bas, je dois aller. Je reviens te chercher. C'est moi qui décide ici. Non, je regrette ce que j'ai dit. Arrêtez. C'est vous qui décidez, bien évidemment. Y a rien dehors. Je vois pas ça dans le sous-sol. Je pense qu'il faut que j'aille vers là où il est. J'ai peur de prendre un screamer, là. Quoi? Je baisse les yeux pour lancer les BPM sur la montre. Et il ferme la porte au nez. Et il est juste derrière la porte. Pas drôle! On peut allumer la lumière ici? Ouh. Je suis vraiment pas rassuré. J'arrive! On fait un tête-tête! Tu veux quoi? Il est plus là. Ah non, la lumière elle marche plus. Du coup, je vais finir par avoir des hallucinations. Ouais? Vas-y, je te suis. Pas de soucis. Je pense pas que tu sois méchant dans le fond. Je pense que c'est juste un. T'as juste pas eu de chance dans la vie. Donc, je vais revenir dans cette salle histoire de me ressourcer un peu parce que j'ai vu que l'éclairage. C'est pas trop ce qu'il y a. Bon. Pour le moment, il veut m'amener dans une pièce, mais je sais pas encore laquelle. Donc on reste là un peu pour se restaurer, pour récupérer de la lumière. Ah! J'avais pas vu ça! C'est nouveau, non? Je vais lui retirer le pieu. J'ai trop peur que le cadre il se mette à parler. Oh lolo. Je suis armé? Mais non. Ok, vous avez trouvé un long crochet. Un crochet comme ça, ça va me servir à quoi, honnêtement? Et pour ouvrir quoi? Si j'étais un disquetteur professionnel, je dirais que c'est pour ouvrir le chemin qui mène à ton cœur. Ah, le crochet, c'est pour attraper ça. Agent Brasier, non diplômé. La poignée est hors d'atteinte. Attention, votre santé mentale diminue rapidement. Pourquoi? Arrête-toi! Arrête-toi! Ma santé mentale va de plus en plus mal!
Je me balade avec des ampoules, sans avoir des ampoules aux pieds. J'aimerais bien te dire ma poule, j'aimerais trouver le chemin pour m'échapper. Le problème c'est que le chemin est bouché, je ne suis pas sûr de le trouver. Je suis en improvisation, j'aimerais avoir les clés de ton cœur et de ta maison. Le problème c'est que je deviens fou parce qu'il n'y a pas d'éclairage naturel. Si là il y en a quand même. En vrai tu peux pas me faire le coup là. Je suis quand même bien hein. J'ai l'impression d'être fort. Ah bah voilà. On allume l'atelier. Voilà. Et là ça va aller mieux bien évidemment. Je crois que je suis en train de prendre la confiance et c'est la pire chose à faire. Attends. Comment on éteint le briquet? Voilà. Je sais pas s'il y a vraiment une... Oh! Attention votre briquet est presque vide. Faut que je l'économise. Ferme-toi, Lumos Maxima. Non, je veux pas perdre le briquet. Votre briquet est presque vide, vous n'avez plus besoin de le garder. Bon, bah ça veut dire qu'il va tomber tout seul. Bah en vrai, il m'aura bien aidé ce briquet. Voilà, bon, on allume. Quoi de plus difficile que d'allumer la lumière? Y'a un baby qui pleure. Je sais pas. Ah non, j'ai dit on laisse allumer. Attends. Bah toi qui décide. Là, il y a des choses très bizarres qui se passent dans cette maison. La poignée est hors d'atteinte. Oh! Encore une fois, j'ai mis 4 heures à résoudre le truc. Non, je suis du mauvais côté! Encore une fois, je suis le pire enquêteur que la Terre ait connu. Donc ça, ça va être à l'étage. Il va y avoir le bébé. Et ça va mal tourner. Oh non, encore le miroir. Mais là, la salle, c'est la même salle, mais j'ai l'impression d'être dans une autre dimension. Attends. Ça se ramasse? J'ai trouvé une pantoufle. Quoi? Il est où le baby? Where is the baby boy? Les objets clés, utilisables un nombre indéfini de fois, peuvent être entreposés dans le monde de jeu. Observez attentivement ce qui vous entoure pour découvrir où. They tell me she's got symptoms of schizophrenia, bipolar disorder, psychosis, dementia and more. T'es mal artiste, c'est pas Nike. J'avais pas vu les tableaux. Rassurant. Il manque quelque chose. Faut que je mette la pantoufle. Ouais. Oh, j'aime pas. Oh! Oh non, là je suis crispé. Là, je suis crispé. Elle est passée où ma pantoufle? Ok. Baby, are you là? La porte s'ouvre. C'est un cadavre ça. Je suis un cadavre. Non, je veux pas. Oh! Là, j'ai vraiment peur. Oh non, là, je vais mourir. Là, il y a la lumière qui s'éteint. Là, c'est terminé. Je déteste le... Je vois rien. Oh là 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 là. J'ai cru que c'était terminé. J'ai cru que j'allais mourir. Pour moi, là, c'était la fin. C'était finito. C'était fin de carrière. Ah, il y a des traces de sang. Est-ce que je les suis dans le bon sens, déjà, les traces de sang? C'est ça la question que je me pose. Parce que là, je suis en train de partir dans un sens. Ça se trouve, j'arrivais à l'origine. Oh là. Mais c'est gros, ça. Oh non. Ma salle de sauvegarde. Quoi, je vais m'agripper à ça? Mais non. Et je regarde pas en bas. Je le regarde pas en bas. Par contre, l'animation très stylée comme ça de descendre dans le puits. Là, il fait drôlement noir par contre. Je sais pas si je vais pas devenir fou. J'ai pas peur. Moi, je te suis, hein. Il est passé où? Je ne sais pas où je dois aller. Je marche seul. Et je cherche la sortie. Et je joue dans la nuit. J'ai même pas peur. La sortie. J'ai pas la rime! J'ai pas la rime! Je suis trop stressé! Ah! Bon, je suis dans un trou.
Première étape. Sortir du trou! Attendez, il y a un truc que j'ai loupé là. J'ai vu un personnage passer de droite à gauche. Sauf que je ne peux pas suivre son chemin de droite à gauche. Il est parti là-bas, le personnage. Qu'est-ce que je loupe? Ah! Il y a un trou en dessous, je crois. Où je m'accroupis. Allez, je suis accroupi, moi je passe maintenant. Y'a quoi? C'est les mêmes miroirs qu'on a vus tout à l'heure. Sauf que là, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y avait quelqu'un? 1, 2, 3, 4. Attendez, il y a quoi au milieu déjà? Au milieu, il n'y a rien. Je prends du recul parce que là, il y en a un qui est bizarre, il y en a un qui est grisé. Et j'ai trop peu. Elle se balade? Attends, il y a une personne qui est passée là de gauche à droite. Donc ça veut dire. Enfin de droite à gauche. Donc ça veut dire que le personnage. Est-ce qu'il se balade dans les miroirs et du coup faut le retrouver? Attends. Je prends un peu de recul parce que j'ai pas envie non plus de me faire avoir. Ça ressemble à une salle finale de boss, genre la fin de l'arc de Dolores. Je la vois pas. Elle est où? Derrière, je suis un 3-6, noscope. Elle est là. Ok. J'ai peur qu'elle me tape un sprint dessus. Je m'avance. Là, je suis vraiment pas rassuré. Okay. On est d'accord qu'il y a personne dans les autres miroirs. C'est le seul miroir qui est habité. Elle est là. Ah! J'ai peur d'avoir compris. Est-ce que si elle est dans le miroir, c'est dire qu'elle est derrière moi? J'ai plus de cœur là, je sais pas à combien il est, mais. C'était pas prévu que ça marche! C'est-à-dire, je pouvais casser les autres? Là, je suis en train de devenir fou. Ok. Mais y'a rien. Sa mère! J'enlève un écouteur, je vais mourir. Ah, les lumières, c'est elle! Non! J'ai continué 5-10 minutes plus loin que la scène que vous venez de voir, mais j'ai décidé d'arrêter, ça fait 2 heures que je tourne cette vidéo. Si vous voulez une deuxième partie, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire si ça vous a plu. Je finirai peut-être cette histoire et j'irai peut-être même un peu plus loin dans le jeu. En attendant, en termes d'expérience personnelle, bien sûr, première fois que je faisais un jeu d'horreur avec ce style d'ambiance. Honnêtement, je m'attendais à plus de screamers, c'est-à-dire qu'il y ait beaucoup plus d'interactions, de choses qui te fassent peur, etc. Mais le seul que j'ai pris vraiment à la fin, il a comblé pour tout le reste, j'étais vraiment pas prêt. En attendant, c'est toujours comme je vous ai dit, pour véhiculer cette image du croyant vous et oser. Finalement, je suis pas mort, tout va bien. Mais c'est vrai qu'il y a une ambiance qui est pesante qui est installée dans ces jeux. Et en fait, je pense que le fait qu'il n'y ait pas des surprises tout le temps ou des happenings qui t'arrivent dessus, ça fait que tu as le temps de t'installer vraiment dans une ambiance. Et je pense qu'il y a plein de passages où si on les regarde juste comme ça, on se dit mais pourquoi il réagit comme ça? Il y a juste un personnage qui passe. Mais quand ça fait une demi-heure, une heure que vous commencez à rentrer dans cette atmosphère pesante, au bout d'un moment, vous êtes là et vous faites tout simplement non, c'est bon, j'en peux plus. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Croyez en vous et osez, c'était Lucas Brasé.